les potes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après le déconfinement, bien sûr, bien évidemment. Comme toujours, on revient en force parce que il s'est passé pas mal de choses qui ont fait que à cause de ce qui s'est passé, pas pu faire de vidéo. Donc du coup on reprend avec du lourd. Donc là, comme on vous avait promis, où on avait été chercher la ligne de la Civic est en face de moi, il y a eu plusieurs modifications qui ont été faites. Donc c'est très 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 bien. Et on va vous montrer ça et suivez parce que on va parler de plusieurs choses qui vont arriver au niveau de la chaîne et j'espère que cela va vous plaire. Et en tout cas j'espère vraiment que le retour va vous plaire et qu'on se retrouve avec sa magnifique voiture qui a bien été faite. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et peace. Bon, t'es revenu après quelques mois de confinement. 5-6 mois, hein. On est là. Donc, on avait été chercher ta ligne d'échappement à Gennevilliers. DC Sport. Comment? DC Sport. DC Sport. Et donc, il y a eu plusieurs. On avait dit qu'on ferait une vidéo du montage de la ligne, mais évidemment, ça s'est pas fait. Malheureusement. Malheureusement, mais tu reviens avec beaucoup plus de détails. Ouais. Tu penses qu'ils vont aimer? Logiquement, oui. Hein. Logiquement? Ouais. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Voilà. Et voilà. Ouais, vas-y, explique-nous un petit peu. Bon, une Honda Civic, oh putain, EK3, donc de 114 chevaux, un 1.5i VTEC Eco. Donc de base, elle avait 90 000 km. C'est une voiture anglaise. Ce que j'ai fait dessus, j'ai changé de boîte. J'ai mis une boîte S20 qui est plus courte que la S40 que j'avais de base. J'ai ensuite mis donc ma demi-ligne inox. De base, je mets des combinifilités, mais c'était pas compatible pour la mienne. Donc j'ai d'autres combinés qui arrivent bientôt, un jour. Vive le Corona. Sinon, j'ai une barre anti-rapprochement avant. Pareil, DC Sport, j'ai celle à l'arrière que j'ai pas mise encore. Parce que bon, faut quand même couper les garnitures. Hein. Sinon, récemment, donc, comme on peut le voir, c'est des jantes. Japan Racing JR6 en 16 pouces. 8 pouces de large en pneus, c'est donc des Mirror Rennsport 5, je crois. En 195, 45, 16 pouces. Donc flanc légèrement tendu. Avec des écrous, bon bah, voilà, un peu personnalisé avec les valves. Pour donner des petites touches sympathiques. Voilà. Oui. Faut savoir que ça passe au millimètre près. Hein. Voilà, par contre l'avant j'ai dû mettre des cales de 3 mm obligatoires. Voilà. Parce que ça touchait mon étrier. L'arrière ça passe nickel. Je mettrai des cales par la suite peut-être pour l'arrière, mais j'attends d'avoir les combinés pour voir ce que ça donne. J'aurai sûrement du carrossage pour l'arrière. Voilà à droite, hein, comme on peut apercevoir. Ça change. Et ouais, rajouter les déflecteurs d'air qui donnent un petit look. Voilà. Ici, hop. Le toit ouvrant qui est très important. Toit ouvrant, c'est une source sûre. Le becquet que j'ai légèrement surélevé. En attendant de changer le becquet, que je prendrai soit le genre type R ou. On verra. Et donc là, tu as rajouté un filtre KN. Oui, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai rajouté le filtre KN. Avec la boîte à air d'origine, qui fait vraiment le taf apparemment. Donc voilà. Et ensuite, par la suite, peut-être avoir pour un autre projet, c'est de faire un swap. Prendre un bloc de B16. Ce qui est plutôt intéressant. Même si là ça marche bien, mais bon, pourquoi pas le swapper. Ouais. Parce que cette couleur, voilà, elle est sympathique. Et puis tout au rond, on n'en voit pas partout. Sauf que je suis pas pareil, je suis au volant à droite, du coup c'est encore plus intéressant. Et ouais, il y a un bon projet qui peut arriver dessus. Donc, juste encore un autre achat, mais bon, ça on verra. Ça c'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure.
Déjà qu'on fasse tout propre pour celle-là. Là par la suite, ce que je voudrais m'occuper, bah, c'est la carrosserie. Parce que oui, je ne vais pas le cacher, il y a des choses à faire. Hein. Une voiture qui roule sur Paris, elle n'est jamais neuve. Une pare-choc arrière, avant, surtout ma partie de droite. Dans l'ensemble, tout va bien. Et après, dans le temps, on verra pour faire une peinture ou voir pour un covering, un truc sympa. Après, par la suite, si on est combiné tout ça avec la hauteur, bah, il y aura sûrement du carrossage à l'arrière. Et voir si bon, gonfler les ailes ou pas, on verra, ça c'est pas obligé. C'est toi qui vois. Ça va, ça dépendra comment ça tombe. Ouais, par contre, ouais, bon, après, c'est là où on est dans Paris. Je vais voir pour mettre en fond noir. Changer peut-être la calandre ou pas, parce que je suis en train d'hésiter, vu que la calandre a le côté chromé, ça rappelle un peu sur les jantes. Et de base, je voulais la foutre en noir. Et prévoir. Sûrement installer les anti-brouillards jaunes. Ouais, donc pas mal de petits projets dessus. Pas mal de projets. Ouais. Plutôt sympa. Ouais. Ouais, c'est une petite. Ça a déjà été réparé avant, mais bon, ça a retapé. Donc, bon, l'intérieur est toujours d'origine. Il n'y a rien de. Qui a changé. Par la suite, on verra. Peut-être un short shift le volant de la ressource par la suite, mais pour l'instant voilà. C'est Instagram ça, c'est ça mon Instagram perso, et par la suite je mettrai celui de ma voiture, la Civic rouge. Bah, il est sur mon Instagram, oui. Il y a tous mes projets dessus, like. Mais bon voilà, je fais quand même des trucs dessus, mais je m'occupe quand même de la santé de la voiture, donc tout ce qui est moteur. Récemment, j'ai fait quoi? Ma grosse vidange. J'ai fait mes joints de queue de soupape, fuite d'huile au niveau du carter inférieur, que j'ai changé le joint. Et la dernière fois, j'ai vidé mon catalyseur. Donc, c'est sympathique. Et voilà. Après, par la suite, acheter un collecteur inox. On verra ça par la suite. Pour l'instant, j'ai fait mon kiff. Ça se voit. Qui coûte un budget quand même, mais bon, ah, voilà, ça lui change. Il y a le rendu, quoi. Ouais, ouais. Après, sinon, on verra par la suite. On mettra les photos d'origine et puis maintenant. Bon, malheureusement, sans les combiner, ça lui fait une allure 4x4. Mais c'est marrant. On verra par la suite. Cette fameuse ligne qu'on devait monter, mais. Cette fameuse ligne m'a posé problème. Car. De base, elle devait être compatible pour la mienne, sauf qu'il y a eu un petit problème, c'est que mon silencieux était un peu beaucoup trop long et il correspondait plutôt pour une coupée. Ouais. Et que moi, c'est une hatchback, c'est plus court. Donc bon, j'avais à peu près tout ça qui ressortait, donc ça posait problème. Du coup, j'étais voir un ami qu'on a personnalisé le silencieux, on a coupé, rejeté. Voilà. Au final, il y a le rendu qui est là, quoi. Ouais. Ouais, faut que je l'aurai parce que je trouve qu'il est un peu de travers, mais après je vais pas dessus pour changer, prendre un autre silencieux, une sortie plus fine, bah, pour changer la sonorité, toujours sympa. Oui, c'est sûr, faut que ça gueule un peu. Mais sinon ça marche bien, elle a une bonne tenue de route et franchement je suis pas déçu. C'est cool, c'est le principal. Ouais. Principal d'aimer. Ouais, teinter mes feux arrière. D'aimer ça, voiture. Rappel. Fais un petit tour. Bah, allez. C'est parti. Bon, on se retrouve après ce petit passage. Un petit contrôle de police. Petit contrôle de police. Fait plaisir. Qui fait plaisir. Bon, ça va, tout est en règle. Ouais, oui. Tout va bien, vous inquiétez pas. Donc, reprenons. Bon. Je sais même plus ce qu'on disait. Je ne sais plus. On sortait de notre fameux parking et malheureusement, ouais. Petit contrôle de police. Voilà. Non, bon, sinon. Petit retour, comme vous avez entendu. Ça fait plaisir. Ça fait bim, bam.
freins parce que ça se trouve. Bon, du coup, niveau accélération, tenue de route, qu'est-ce que. Franchement, ouais, même avec mes roues d'origine. Ouais. Une première sortie, je me suis fait une peur. Bon, bah, elle est partie du cul, mais je me suis rattrapé et voilà. Ça, c'est comme à peu près tout le monde sur quand on apprend la voiture. Voilà. Parce que c'est au début que tu l'as eu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, au fur et à mesure, j'aimais bien, elle a une bonne tenue. Puis là, depuis, j'ai eu ces pneus-là, ces roues, je joue un peu et bon, ça tient. Ça tient et bien. Bon, j'ai pas trop confiance puisque bon, là, j'ai encore les amortos d'origine qui commencent à mourir. Ah. Et c'est un peu roulis quoi. Donc j'attends déjà d'avoir les combinés, ce qui va changer la tenue de route. Et à voir après, bah, je vais peut-être commencer à renforcer tous les cylindres blocs. Tous les cylindres blocs. Ouais. Pour quand même qu'elles soient un peu plus rigides. Hein. Ce qui est normal. Bon, du coup, c'est une bonne tenue de route, il n'y a pas de. Non, franchement, non. Le seul truc que je suis déçu quand je l'ai acheté, c'est que le proprio n'a pas été, on va dire, honnête en disant que voilà, elle a quand même fait des passages en carrosserie. Ouais. Ce que j'ai pu le constater, c'est que l'aile arrière gauche, elle a quand même fait un passage en carrosserie, ça a mal été fait. Il y a beaucoup de projets sur ce type de véhicule. Nous, on peut apercevoir sur Instagram pas mal de. Ouais, bah j'ai publié toutes les choses que j'ai fait dessus. Et puis bah chaque truc je publie. Ouais, c'est cool. Plutôt sympathique quoi. C'est ça. Ça change d'autres voitures que pouvoir. Oui. Bon, aléatoirement. Après, on en voit beaucoup, certes, mais de toutes les couleurs quoi. Ouais. Et puis bon, celle-là on n'en voit pas de cette couleur, pas vraiment beaucoup. Avec l'option tournant, oui. Mais bon, c'est la couleur aussi qui fait des fois. Bon, maintenant je suis en conduite à droite, est-ce qu'il change de... Est-ce qu'il change forcément ouais. Est-ce qu'il change bien bien. C'est déjà grave. Après, avec un intérieur basique, ouais. Je vais peut-être prévoir, on va essayer de changer mes sièges avant. J'en ai trouvé là, des types R rouge en plus en RHD, ouais, et très propre. Donc, ça sera à voir. Ça va reparler à la suite. Je tiens juste à dire avant que il y ait d'autres personnes qui le disent ou autre que ma chaîne YouTube qui est moi basée sur moi personnellement et que de base c'était moi mon nom tout ça mais j'ai fait un petit contrat avec lui où en fait bah en gros bah il va être beaucoup sur mes vidéos aussi. Donc il y aura deux parties, il y aura ma partie à moi, il y aura ma partie avec lui qui lui fera de lui de son côté. Donc on se mélangera les voitures niveau vidéo, donc ce qui sera après avoir ce que tu as avoir au fur et à mesure avec les connaissances. Mmh. Après moi j'ai plusieurs projets, bon celle-là je vais peut-être finir un beau petit projet. Par la suite, moi je suis quand même beaucoup intéressé sur projet Drift. On verra si dans les prochains mois ça peut se faire ou pas. Ouais. Mais il peut y avoir beaucoup de choses. Comme bon, j'ai un autre projet de véhicule acheté. Où, voilà, ça peut être intéressant. À modifier ou pas, mais bon, on sera. J'ai plusieurs choix, ça sera à voir.
On n'en dira pas plus. Enfin, même moi déjà, je suis déjà perdu. Donc, dans la vie. Hein ? On trouvera. On trouvera, ouais. C'est clair. C'est clair. Bon, ce petit tour a été sympa de ta part. Ouais. On aura pu s'amuser un peu plus, mais bon. Il y a un peu trop de monde sur les routes. Un peu trop de monde, ouais. Premier jour de déconfinement, c'est vrai que ça. Ouais, de ouf. Ça pique un peu. Non, mais on se fera des fois des vidéos, voilà, balade et tout. Comme là, j'ai des projets avec des potes, on ira faire des tours, on va dire des convois. Et comme celle-là aussi, je vais la faire passer au banc pour savoir ce qu'elle sort maintenant. C'est peut-être pas énorme. Mais bon, juste pour voir. Et après, j'aimerais faire un projet. Enfin, ça, je vais voir, mais c'est la faire passer en flex fuel. En 85, 95. Comme ça, voilà. D'accord. Niveau carburant et tout, ça fera un peu mieux. En consommation. Bah ouais. Du coup, après, faut que j'achète les injecteurs qu'il faut. Et je vais essayer d'acheter le kit complet avec la pompe et tout. Et les régulateurs. Ouais. Sinon, on va tourner très bien. Hein. D'accord. Mais écoute. Merci. Merci à toi. Bah, si vous souhaitez, il y a son Instagram. Sur les côtés des voitures au début de la vidéo, donc vous avez qu'à le suivre, vous verrez tous les autres projets à suivre sur sa voiture. Donc moi je le mettrai en bas comme d'habitude. Ça change pas. Écoutez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de présentation qui va être je pense qu'il va vous plaire aussi. Écoutez, bisous à la chatte, bisous au téton. Bisous au téton. Allez, à plus, ciao.